jambes commencent à vaciller. Je ne me sens plus très bien assuré. Le souffle est court et le pouls s'accélère. Le cœur s'affole dans cette confusion des nerfs. Cette grande vague qui me terrasse, m'obligeant à plonger dans la poisse. C'est encore une de ces montées d'angoisse qui me submerge dans cette crasse. Asphyxié, les pensées torturées, l'estomac noué qu'on va en suffoquer. On ne sait pas d'où vient ce dérangement, mais seulement pendant ce n'est pas du tout plaisant. Mais pourquoi et comment? Comment ces trucs-là arrivent-ils à des gars comme moi? Pourquoi moi? Je comprends pas. Je pensais avoir tout fait comme il se doit. Pour une fois, mais ça ne suffit pas. Parce que dans ces cas-là, eh bien voilà, mon pire ennemi c'est moi. Je me rencontre mais ne me retrouve pas. Ce type n'est certainement pas moi. Il ne m'obéit même pas. Et certaines fois, il me fait honte, mais je ne le dirai pas. Il faudrait qu'au moins une fois je comprenne ce qu'il a différent de moi. Et donc si je ne l'apprivoise pas, si je ne le comprends pas, mon pire ennemi restera, mon pire ennemi sera toujours moi. Il faut retrouver dans mes souvenirs un truc où j'aurais eu peur de mourir. Une petite madeleine au goût amer, un facteur déclenchant ces moments de galère. Mais pourquoi et comment? Comment arriverai-je à remonter aussi loin que ça? Parce que voilà, quand je suis tout seul, quelle angoisse que l'autre type m'emboîte le pas. À chaque fois, il ne me lâche pas. Il y a toujours ce type qui suit mes pas. Mon pire ennemi, c'est moi. Le problème, c'est qu'on ne se connaît pas. On ne se voit que dans ces cas-là. Et certaines fois, il ne me regarde même pas. Je devrais aller lui parler, on pourrait peut-être sympathiser. On remonterait alors dans le passé, voir ce qui a cloché, et enfin réconcilier. Je pourrais le